Oh. Bonjour les enfants. Et oui, aujourd'hui, j'ai deux nouveaux amis avec moi. Une petite poule et un petit poussin. Alors, je voulais vous présenter ces petits personnages parce que aujourd'hui, vous aussi, vous allez essayer de fabriquer des petits personnages animaux. Alors, j'ai la poule, j'ai le poussin et moi aujourd'hui, je vais essayer de fabriquer le coq. Et voilà, vous allez voir sur le blog, je vais vous montrer comment on peut fabriquer ces petits personnages avec un rouleau de papier toilette, des ciseaux, de la colle et hop là, des feuilles de papier de toutes les couleurs. Voilà. On pourra utiliser aussi des pastels et des feutres. Donc vous allez voir tout ça aujourd'hui sur le blog, comment fabriquer des petits personnages rigolos avec des poules, des poussins ou des coqs. Voilà. Mais on va commencer tout de suite par la date et après j'ai quelque chose de très important à vous dire. Alors la date. Hier c'était dimanche. Alors je le barre parce que ce jour est passé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hop. J'entoure le jour d'aujourd'hui. Et donc je vois qu'après dimanche, c'est lundi. Donc aujourd'hui, c'est lundi. Allez, petit escargot. Hop là, tu vas jusqu'au lundi. Et c'est lundi 27. Alors, j'efface le 6. Et j'écris le 7. Pour écrire 27, donc c'est le 2 pour le chiffre des dizaines. Et le 7 pour le chiffre des unités. 27. Je change l'étiquette. Hop. Et je mets l'étiquette du lundi. Et voilà. On lit la date ensemble. Aujourd'hui, c'est lundi 27 avril 2020. Voilà les enfants. Donc, je voulais vous parler d'un nouveau projet, d'un nouveau travail qu'on va faire ensemble. C'est une nouvelle chanson. Cette nouvelle chanson s'appelle Loin mais ensemble. Parce que vous savez que depuis plusieurs semaines maintenant, donc, vous êtes à la maison, je suis à la maison, tous les copains et les copines sont à la maison, mais même si on est tout seul à la maison, eh bien, on sait que les copains et les copines travaillent aussi, font les mêmes ateliers que vous, les mêmes activités que vous. D'ailleurs, vous pouvez voir tous les jours sur le blog, j'essaye de mettre des photos ou des vidéos des copains et des copines. Mais aujourd'hui, on va chanter une nouvelle chanson. Alors vous allez voir, c'est une chanson très spéciale parce que c'est une chanson qui parle justement du fait que nous soyons loin, mais que l'on travaille toujours ensemble. Cette chanson s'appelle Loin, mais ensemble. Donc je vais la chanter tout à l'heure, d'accord? Parce que avant cette chanson, je vais vous montrer aussi l'atelier de mathématiques et l'atelier d'écriture qu'on va faire aujourd'hui. Alors en mathématiques, on va utiliser la bande numérique de 1 jusqu'à 30 que vous avez fabriquée aussi à la maison. Alors l'atelier d'aujourd'hui, il va falloir trouver le nombre avant. Alors par exemple, si je dis quel est le nombre avant 15? Alors on cherche le nombre 15 et là, on va essayer de chercher le nombre avant. Donc ici c'est le nombre avant et là c'est le nombre après 15. Donc le nombre avant c'est 14. D'accord? Maintenant si je vous demande quel est le nombre avant 6? Donc on va chercher le nombre 6 et après on va chercher hop là, le nombre
qui est avant le 6. Donc c'est le 5. Voilà. Donc ça c'est facile, hein? Il faut juste chercher un petit peu. Voilà. Et le deuxième atelier de mathématiques, ça va être un atelier de petits problèmes de mathématiques. Alors, vous aurez des cartes comme ça sur le blog. Et ce sont des petits problèmes. Ça veut dire qu'il faut chercher à résoudre un petit problème. Par exemple, alors il y en a qui sont faciles. Hein. Par exemple, donc sur cette petite carte, il y a des voitures. Et la question que je vais vous poser, c'est combien il y a de voitures? Donc là, il faut choisir. Il y a des réponses en bas. 4, 6 ou 7. Là, on peut la faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je pose mon doigt ici. Et pour vérifier si c'est bien, je retourne la carte. Et si je touche la queue du chat, ça veut dire que c'est bon. Voilà, donc là, c'est bien 6. Donc ça, c'était facile, hein. Alors là, c'est aussi un problème de mathématiques dans lequel il faut réfléchir. Donc il y a des pommes dans la cagette. Il y en a 4. Et là, si j'en mets une autre, combien y aura-t-il de pommes? Donc là, il faut compter. 4 et 1. 3, 6 ou 5. On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5. On vérifie. En effet, c'est 5. Allez, encore un autre. Là, il y a des paquets cadeaux. Et dedans, il y a des chocolats. Et là, la question, c'est dans quel paquet y a-t-il le plus de chocolats? Donc en bas, il y a des nombres. 5, 7 ou 9. C'est 9, hein, le nombre le plus grand. Voilà, je vérifie. Voilà, c'est bon, c'était 9. Et là, c'est un autre problème. Il faut le dire, le nombre qui correspond au nombre de doigts levés. Donc, il y a des doigts levés. Il faut compter ou dénombrer le nombre de doigts levés. Vous avez trouvé? Combien y a-t-il de doigts levés? 11, 10 ou 12. Il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 11. Et voilà, c'est ça. Donc sur le blog, encore une fois, aujourd'hui, vous allez avoir 4 petits problèmes à résoudre dans lesquels il faudra réfléchir pour répondre à la question. Il y aura un autre atelier, c'est un atelier d'écriture. Alors, comme on a parlé de la famille de la poule, du poussin et du coq qui va venir aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, on va s'entraîner à écrire ces trois mots. La poule, le coq et le poussin. D'accord? Alors, je vais vous montrer. D'abord, on va écrire. Ah, je vais relever le petit escargot. Hop là. D'abord, je vais écrire le coq. Alors, aujourd'hui, on va écrire sans ligne. D'accord? C'est juste pour vous entraîner à bien écrire les lettres, le tracé des lettres. Alors, le L et le E. Oups. Coq, C. O. Et le Q. Alors le Q, c'est une lettre ronde et un trait vertical. Voilà, le coq. Ensuite, on va écrire la poule. D'accord? Alors, je vais écrire ici la poule. La, c'est le L et le A. Poule, le P.
Poule. Ensuite, le poussin. Le poussin, c'est P O U 2 S. Alors le S, vous vous rappelez, un trait oblique, une boule. Un trait oblique, une boule. Le I et le N. Voilà. Alors je répète, on a écrit le coq, la poule, le poussin. Voilà, ce sont les trois mots que vous allez essayer d'écrire aujourd'hui sur une feuille de papier, une ardoise, ou sur un petit tableau comme ça, si vous avez un petit tableau. Voilà. Et on remarque que dans le mot poussin, on entend le son s. Et aujourd'hui aussi, votre défi, c'est de trouver plusieurs mots où on entend le son s. D'accord, les enfants? Et donc maintenant, c'est l'heure de la chanson. Aujourd'hui et toute la semaine, on va apprendre une nouvelle chanson. Cette chanson s'appelle Loin mais ensemble. C'est une chanson qui parle des copains et des copines qui sont loin dans leur maison, qui sont loin de vous, de nous. Mais même s'ils sont loin, on travaille ensemble, on fait les mêmes ateliers, on apprend les mêmes chansons, les mêmes mots. On travaille ensemble. Voilà, donc c'est une chanson qui permet de se souvenir qu'on a encore des copains et des copines de classe et que bientôt on va tous se revoir. Voilà. Et bah, on va écouter maintenant la chanson. Vous êtes prêts? C'est parti. Moi je sais compter jusqu'à 20. Moi je fais de jolis dessins. Moi j'apprends les noms d'animaux. Moi je saute dans mon cerceau. Chez moi je pense à tous mes amis et à tous les mots qu'on a appris. L'école non, ce n'est pas fini. Bientôt nous tous on sera réunis. Loin mais ensemble, on est une ronde d'enfants. Loin mais ensemble, on apprend à être plus grand. Loin mais ensemble, on est une ronde d'enfants. Loin mais ensemble, on apprend à être plus grand. Moi j'ai un ordinateur. Moi je sais dessiner les fleurs. Moi je lis un livre numérique. Moi j'aime ce que je fabrique. Mais quand on se retrouvera, c'est des sourires qu'on se fera. On se dira plein de mots, des beaux, des chauds, des rigolos. Loin mais ensemble, avec les maîtres, les parents. Loin mais ensemble, on va c'est sûr être plus grand. Loin mais ensemble, avec les maîtres, les parents. Loin mais ensemble, on va, c'est sûr, être plus grand. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et voilà les enfants, cette chanson. Vous allez voir sur le blog, vous allez pouvoir aussi regarder le clip vidéo avec des photos des copains et des copines qui sont à la maison, mais aussi des photos quand on était en classe. Donc vous allez demander à papa et à maman de regarder ce clip vidéo. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée les enfants de travail. Et n'oubliez pas, nous sommes loin, mais ensemble. Au revoir, à demain, à bientôt.